We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. PPP veut dire programme de préparation à la performance. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend des gens qui viennent du milieu sportif, acrobatique, et on les prépare pour devenir des artistes. Acrobatiquement, on a un processus assez lent de prise de connaissance de l'appareil. Et parallèlement à ça, il y a des cours de jeu, des cours de danse, des cours de personnages, des cours de musique, tout ça pour avoir un bagage un peu plus général. Alors, il faut intégrer toutes ces disciplines-là d'acrobatique, artistique et l'ouverture d'esprit pour être capable de former vraiment des artistes qui vont être à l'aise sur la scène. Ce qu'on s'est donné aussi comme philosophie avec le programme, c'est on ne veut pas uniquement développer des capacités physiques et artistiques, mais on veut vraiment que ce programme-là soit une expérience pour l'athlète qui devient artiste. Les gens, quand ils sont ensemble, bien, ils peuvent vraiment développer de l'affinité, ils peuvent avoir une meilleure connexion, puis ils peuvent apprendre de façon plus rapide aussi. C'est super important pour nous au niveau de l'expérience. Puis quand on parle à un athlète qui veut s'engager dans un programme préparatoire, on lui parle beaucoup de ça, de cette espèce de camaraderie qu'il y a à l'intérieur, de cette espèce de créativité dans les cours artistiques, mais aussi dans les cours acrobatiques. Alors, à la fin de la PPP, les 4 ou 5 dernières semaines, les futurs artistes vont travailler avec un coach artistique pour créer une présentation. Ils vont faire une création collective. L'entraîneur artistique va être là pour les conseiller, pour les diriger dans les bonnes directions, mais pas pour leur dire quoi faire. Alors, ça va être aux athlètes de choisir la musique, choisir le costume, choisir le personnage, choisir l'atmosphère, choisir les éléments techniques. Et c'est une création collective, alors il va avoir des décisions à prendre, mais c'est un processus de création. Et c'est le but de la PPP, c'est qu'ils passent par le processus de création.